Coucou tout le monde, ça va bien PCH et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Mathis. Oui bah c'est bon, j'allais le dire. Bah ouais. Du coup avec Mathis. Je me présente. Qui est mon copain depuis presque 2 ans. C'est quoi tes cheveux? Bah oui, ils veulent pas bien se mettre. Bref, du coup ça fait 2 ans qu'on se supporte, je sais même pas comment on fait. Surtout moi, hein, parce que je vous jure que lui. Et le concept de cette vidéo, c'est très très simple, c'est un kiss or slap. Donc je pense que vous connaissez le concept. En gros, on va se poser chacun des questions sur l'autre, en gros pour savoir s'il nous connaît ou quoi. S'il dit la bonne réponse, il aura le droit à un bisou. Donc peut-être sur la bouche, hein, qui sait. Depuis le temps que tout le monde attend ça, peut-être que ça sera dans cette vidéo. Ou alors, si la personne se trompe, eh ben on lui donne une grosse claque dans sa tête. Voilà, voilà. Aïe. Du coup, c'est très très simple. On a déjà préparé nos petites questions. Oui. En tout cas, je suis sûre que c'est moi qui va gagner parce que je le connais beaucoup plus que lui. Ah, de toute façon, on verra. Ouais, allez, ouais. C'est parti. On va commencer par la première question. C'est moi qui commence? C'est un petit peu ta vidéo. Hein. Ben, moi, je sais pas, je suis invitée. Du coup, première question. Quel est mon parfum de glace préféré? Mais comment tu veux que je sache des trucs comme ça? Non, mais lui, il est sympa, lui. Mais quand tu vas chez le marchand de glace, tu demandes tout à chaque fois. Ah ouais, bah tu dois trouver ma glace préférée. Mon Dieu, j'ai pas de mémoire. Moi, je le sais. Je vous l'avais dit. Hein. Je vais gagner. De toute façon, je vous mettrai les petits points à chaque non, fois. Non, mais cette question, c'est normal. Hein. Alors, on a 2 chances. Hein. Au moins, ça va. Je sais pas, c'est une blague, Fabien, mais t'es sérieux? T'as le droit à l'erreur, t'as le droit à l'erreur. Ah, je l'ai pris au dépourvu, ça vendait pas. Bah non, je m'attendais pas. J'ai pas envie de me recevoir une claque en plus. Une grosse claque. Non, mais je vais avoir trop mal. Regarde mon petit visage d'ange. Allez, allez, trouve. Tu cherches autant de temps, bah tu me connais vraiment. Hein. Je suis choqué. 2 ans. 2 ans que je veux toujours ces glaces, mais bon, ça. On parle de goût normal. Ouais. Pas des goûts bizarres. Non. Bah vanille. Ouais. Ah, c'était vanille. C'était vraiment pas compliqué, hein. Ah, je suis trop content. Mais moi, tu sais, j'étais en train d'imaginer, vous savez, là, les glaces Malabar, qu'il faut faire des mélanges et tout. Pour trouver ça, vous avez vu combien de temps il a pris? Bref. Mais c'est normal aussi, pose-moi ta question. Maintenant, j'ai le droit à quoi? 1-0, et pour l'instant, t'as le droit à un bisou. 3, 2, 1... Oui, bah oui, pas une claque, oui. Du coup, bah oui, on s'est bien embrassé sur la bouche, mais bon, j'ai flouté et tout parce que hey, vous êtes des petits coquins et en plus de ça, on garde ça pour nous pour l'instant. Du coup, on se fera des petits bisous comme ça, d'amoureux. Voilà. D'accord, moi, du coup, ça fait 1-0 et c'est à Mathis. On va voir si je le connais autant que ça. Mais la première question risque d'être compliquée. C'est parti. Première question. Comment j'aurais dû m'appeler? Comment j'aurais dû m'appeler? Et ça, je le dis tout le temps, Fabien, j'ai même fait un TikTok. Il y a même des gens derrière cette vidéo qui le savent. Donc si toi, tu le sais pas... J'ai 2 chances, mais ta mère, elle a toujours dit qu'elle voulait t'appeler Mathis. Non. Comment j'aurais dû m'appeler de base? C'est un prénom bizarre. Oui. Je m'en rappelle, un prénom bizarre. Ben voilà. Vous voyez, il me connaît pas. Après, il va faire le mec, là. Mais non, mais ça, quoi, je le sais. Julian. Non. Ben je sais pas, hein. Ça commence par quoi? Ah non, je te dis pas, je sais pas. Y'a pas d'indice, déjà t'as 2 chances, donc y'a pas d'indice, ça a peu ou quoi lui? Si vous voyez sa tête, vous lui donnerez quel prénom? Mais une image un petit peu mieux, parce que là mes cheveux ils sont en pagaille, ouais, c'est bon. La repousse, ça veut pas. On va mettre une belle photo de lui juste ici, au moins... Non mais il sent plus, c'est bon. La question elle est trop dure, vas-y si moi je t'aurais dit ça, t'aurais pas si non plus, hein. Bah oui, parce que toi tu me l'as pas dit, mais moi je te l'ai dit. Si, je t'ai même dit. Non. De base j'étais une fille, et du coup j'avais un prénom. Bref, c'est pas grave. J'espère qu'il n'y a pas la question là. Non, il y a pas. Peut-être, je la rajouterai. Non, tu la rajoutes pas. Il a pas de mémoire. Rulio. Eh non, c'est faux. C'était Zéphyr. Ah ouais, en plus je le savais. Zéphyr dans Babar. Du coup, j'ai le droit à une claque. Ouais, t'as le droit à une claque. Comme je vous ai dit, j'ai préparé la main chaude là. Mais j'ai pas de force. Vas-y, pas trop fort. Hein. Ça va, c'était pas fort. Ouais, bon, je me suis pris quand même une grosse claque. Hein. Une petite, hein, vraiment. Toujours 1-0. J'espère qu'il n'y a pas fait que des questions comme ça, sinon ça va pas du tout. Moi, je suis content là, j'ai gagné pour l'instant. Vas-y, c'est parti. Deuxième question pour moi, on va voir s'il me connaît. Une question basique. Je suis né dans quelle ville? C'est marqué sur ma carte d'identité, c'est marqué partout. Donc vraiment, oh, si tu sais pas. Dieu. T'as 2 chances. À Lens? Oui! Ah, c'est bien, c'est bon, je suis trop fort en fait! Je suis dégoûté, il a trouvé super facile. J'ai eu un doute, mais pas du tout là. Je pensais qu'il allait dire un autre truc. Ah, je suis trop content. Pour l'instant, c'est moi qui te connais le mieux. Enfin, j'ai 2-0, il y a peut-être un problème là. Ouais, mais moi, c'est des questions assez simples. Genre, dites-moi honnêtement, c'est hyper simple. Ouais, lui, il aurait dit, je suis né dans quelle ville? J'aurais dit Lyon, bam, un point pour moi en fait. Pas du tout, il faut dire Lyon combien? Lyon 7. Non. Bref, allez, prochaine question. Ah bah non! Un bisou!
Voilà, prochaine question. J'espère que j'aurai la réponse parce que vraiment ça c'est pas du tout. Une question facile ou pas? Oui, bah oui. Ok, bon. Où est née ma mère? Elle est née. C'est facile. Elle est née à Strasbourg. Oui, c'est ça! Bravo! Je t'en prie, regarde dans la carte là, le petit truc en haut à droite. C'est bon, c'est bon. Du coup, j'ai le droit à un petit bisou, mon Oui, cœur. Je te fais un petit bisou. J'ai dit cette question facile parce qu'à chaque fois elle le dit, mais moi je lui dis donc voilà. Fallait mais sa mère, penser. Par contre, je sais pas du tout où elle habite. Hein. Allez, c'est parti, à toi de me poser une question. Oui, alors ça, je pense que je te l'ai déjà dit une fois, mais t'as dû oublier. Mais ouais, donc, je sais pas ce genre de question. Hein. Quel était le prénom de ma première petite copine? Ma toute première, genre. Bah, je sais pas, non, mais je l'ai déjà dit. Inès. Non, j'ai déjà eu une Inès, mais c'est pas rien. Deuxième chance, même si je t'ai tout expliqué, l'histoire et tout. Hein. Mais à croire, je m'en fous. Je m'en fous de tes histoires là. M'écoute pas, ça veut dire. Juliette. Non, c'était Laurie. Ouah, mais Laurie. En maternelle, dans le bus. Ouah, à croire je le sais. Une petite claque. Non, s'il te plaît, s'il te plaît. Allez, regardez sa main comme elle est plus. Non, mais s'il te plaît. Tu m'as fait trop mal. Tu te fous de moi? Non, mais c'est vrai. Prochaine question. Prochaine question, voilà. En quelle classe j'ai eu mon premier téléphone? C'est facile, c'est facile, je le dis assez souvent. Ton premier téléphone, déjà, c'était un truc moche, là? Oui, bon, on s'en fiche. En quelle classe? C'est pas ça. En CM2? Oui, c'est ça! CM2? Comment tu sais? Ouais, parce qu'en fait, j'ai dit ma réponse à moi, c'était en CM2, du coup, hein. Bien sûr. C'est de la chance, quoi. Non, non, c'est pas de la chance, c'est juste que tu le sais. Bon, vas-y, je te fais un bisou. Tu mérites Vous pas. Vous avez vu qu'on m'a regardé parce que là, ça fait 2-2, du coup, je le rattrape. Ouais. Du coup, prochaine question. Bon, je vous avoue que j'étais en panne d'inspi, du coup, j'étais voir sur Internet. Du coup... Bah oui, moi, j'ai tout fait de moi-même. C'est que celle-là, hein. Il va même pas comprendre la question, je pense. Si je devais me réincarner en animal, ça serait lequel, à ton avis? Fabien, mais n'importe quoi. Mais il m'a jamais dit des trucs comme ça. Bah là, un chien. Parce que de toute façon, t'es un gros chien de la casse. Voilà. Oh, bon non, c'est pas un chien, en plus. Non, mais par contre, là, ça se fait pas, hein, Fabien. Mais tu te rends compte de la question que tu m'as mis? Bah, c'est mon deuxième animal préféré, tu le sais, en plus. Mais c'est juste un chien, en fait. Et mon deuxième, c'est quoi? Je te l'ai déjà dit plein de fois, Mathis. N'importe, mais tu fais... Là, c'est un gros indice, hein. J'ai dit que c'était mon deuxième animal préféré. Je vous dis Fabien, tout le temps. Mais Fabien, pas du tout. Tu verras quand je vais te le dire. Vas-y. Oh, tu me l'as jamais dit, je conteste. Bon, on verra quand je vais te le dire. Tu vas faire. Ouais, tu vas faire le mec. Je sais pas. Un cheval? Oui. Ah, un cheval. Voilà, vous avez vu. Mais ouais, mais qui veut se réincarner en cheval? Ouais, c'est mais trop imaginez, nul. Imaginez, vous êtes un cheval. Mais c'est trop nul. Enfin, je sais pas. On est trop beau. Les gens, ils font waouh. Mais c'est pas beau. On court, on galope et tout. Non, moi, j'aimerais trop être un cheval. C'est tout. 3, 2. Il me dégoûte. En plus, ça pue. Ouais, bon. Au moins, j'ai un point pour ça, quoi. Vous avez vu, on a sorti en plus. À toi. Prochaine question. Qu'est-ce que je me suis cassé quand j'étais petit? Tada, 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 tada. Double fracture du tibia. Triple. Tu m'as expliqué 10 fois. Mais quand j'ai noté ça, je me suis dit, il va pas s'en rappeler. Ah non, mais si, tu me l'as expliqué 10 fois dans ta vie, c'est bon. Oh, j'ai eu un. Même ta mère, elle le dit tout le temps. Ah ouais, non. J'ai eu un plâtre, un œdème de coin. Je connais tous ses malheurs par contre, hein, ça c'est sûr et certain. Ouais, bien sûr. Du coup, ça fait 3 à 3. Bébé, ta concurrence elle est là. Hein. Ouais, ouais, je préfère. Ouais. Bon, là c'est une question assez simple, mais tu peux te tromper. Ok. Mais comme t'as 2 chances, tu vas trouver. Ok. Mon réseau social préféré. TikTok. Quoi? Ouais, c'est TikTok. Ouais, j'ai été sûr. Bon, c'était simple en même temps. Mais c'était vraiment trop nul comme question, Fabien. Bah, en fait, j'étais vraiment en panne d'inspi, genre. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir nous suivre sur nos TikTok là. Je les affiche juste ici. On est grave actifs là-bas. Et c'est là-bas que tout a commencé. Waouh, bravo. Je suis grave gênant. Bref, ce point-là compte pas. C'était une petite question bonus parce que vraiment, c'était trop simple. C'était trop, trop simple. Faut que je fasse une autre question. Mathis, prochaine question. Ah, t'as trouvé? Ouais. Quelle est la taille de mon aubergine? Non mais bien sûr Fabien, hein. Tu crois vraiment qu'on va faire ça en plus? Bon ok, j'ai été hospitalisé une fois dans ma vie et c'était pourquoi? La vie de ma mère, je lui ai expliqué 10 fois, toute l'histoire. Il m'a dit oh petit cœur, oh nanani. Donc vraiment si je trouve pas, je t'en voudrais toute ma life. Mais c'est parce qu'en gros c'était pour tes poumons là. Pas du tout. Je suis choqué. Je l'ai expliqué il y a encore 3 jours quand il m'a expliqué son œdème de coinque là. Oh, ton allergie. Allergie à quoi? Au médicament. Ouais c'est ça. J'ai eu peur hein, parce que je l'ai expliqué pendant... Ouais vas-y ouais, sois content. Ça fait 4 à 3. C'est bon, tu vas te calmer. Mais c'est bon, mais j'ai gagné. T'es content que tu me connais?
Bah oui, bah fais-moi un bisou et pas une claque. Mais maintenant, on va passer à la question un peu pimentée. Vas-y. Même vous, ça va vous faire des révélations pour ceux qui ne savaient pas. Combien j'avais d'abonnés sur mon ancienne chaîne MSP? Ouais, donc déjà, il y avait une chaîne Movie Star Planet, pour ceux qui ne savaient pas. J'étais vraiment déclassée. Hein. Au moment où t'as repris ta chaîne, quand tu l'as quittée? Non, dès que j'ai quitté, genre pas quand j'ai perdu des abonnés parce que les gens se sont désabonnés vu que j'ai arrêté. 27 000. Non. 31 000. Non. Allez hop, c'était 30 000. Bah si, j'ai dit 31 000. Non, j'avais 30 000 abonnés et ça, je te l'ai toujours dit, pas 31 000, donc je ne vois pas pourquoi t'as dit ça. Donc, on part sur une claque. Pas fort, là, c'était pas fort. Bah enfin, si. Allez, une deuxième. 4-3. Ah 4-3 toujours. 4-3, c'est moi qui a gagné pour l'instant. Vous avez vu comment il fait malin. Prochaine question. Si je devais te tromper, ça serait avec quelle star à ton avis? Mais wesh, mais c'est quoi cette question problématique, Fabien? Ça se fait pas du tout de dire ça. Mais arrête! Mais ça se fait pas du tout. Alors, je te tromperai avec quelle star? Bah personne. Si si. Non, là c'est une question piège, tu ne tromperas avec personne. Une star, hein, vraiment star. Justin Bieber. Non. Bah non, mais là ça se fait pas. Deuxième. Leonardo DiCaprio. Non, ça c'était en bonus. Ouais. Non. Je sais pas, moi je vais dire quelqu'un au pif. Vas-y. Aaron Piper. Le mec dans non. Fallait. C'était Archie dans Riverdale. Archie dans Riverdale. Ouais. Du coup, ouais, c'était Archie. Archie Andrews sur Riverdale. Ouais, super. Du coup, bon. Tu prends le claque. En plus, bah vas-y. Oh, tu me l'as fait trop mal, Fabien. En plus d'avoir dit des trucs comme ça, maintenant tu me fais mal. Mais vas-y, la prochaine, vas-y, y'a pas de soucis. C'est pas grave. Et du coup, ça fait toujours 4 à 3. Comment s'appelle la fille avec qui j'ai eu mon premier bisou? T'as déjà embrassé une fille, toi? Bah oui, bon, c'est bien, continue. Tu me l'as déjà dit plein de fois? Non, je t'ai dit une fois. Donc va falloir bien faire travailler ta mémoire. Amandine? Non. Faut croire, je sais. Imagine bah ouais. Une fois, moi je lui ai raconté 10 fois. Bah ouais. T'as voulu jouer à ça, y'a pas de soucis, Fabien. Sarah? Non. Donc c'était Mélina. Bref, on s'en fiche. Mais donc maintenant, passons à la claque. Pas trop grave, ça. Ah bah, tu verras. Voilà. Je pense que maintenant, la vengeance est terminée. Prochaine question. Question banale, basique, que tu devrais me savoir. Parce que normalement, tu me connais, que t'es mon amoureux. De toute façon, je connais tout. Du coup, c'est quelle est ma série Netflix préférée? Elite. Tu m'avais dit que c'était Elite, ta série préférée. Non. Fabien, t'es vraiment un gros mytho. C'est pas ça. Bah, c'est soit Sex Education ou Vampire Diaries. Un des deux. Bah non. T'as que deux chances. Ah non, bah je suis désolé. Mathis, tu dis un des deux. Fabien, mais t'es un gros menteur. À chaque fois, tu me disais c'est Elite, c'est Elite. Je te jure que j'ai dit autre chose. Non. Bah, Vampire Diaries. Et bah non, c'était l'autre. C'est impossible, Fabien. C'est impossible. Parce que quand je t'ai demandé je l'ai regardé tout seul. Je l'ai regardé tout seul et je t'ai même dit, Mathis, je la surkiffe. Je l'ai regardé, je te jure. Tous les soirs, je l'ai regardé tout seul. Il m'en parle jamais. Bizarrement, quand je lui ai demandé c'était quoi sa série préférée entre Elite, Vampire Diaries et tout ce qu'il avait regardé, il m'avait dit Elite. Il m'avait dit. À chaque fois que je vois quelqu'un, genre la meuf, je lui dis non. Oh, c'est celle dans Sex Education, putain, j'ai trop aimé cette série. Et tout. Ce serait été pareil que dans Elite ou dans Vampire Diaries. Allez, une petite claque. Touk. Ouais, bah super. Alors que moi, je peux même le jurer sur ma vie que c'était pas vrai cette question. Ça fait toujours 4 à 3 du coup. Quel était mon premier idole? Ton premier idole. Genre que j'étais fan quoi. Français ou international? Je dis pas. Ok. Justin Bieber. Non. Britney Spears. Eh non, allez hop. C'était qui? Katy Perry. Donc Fabien a le droit à une claque. Voilà. Prochaine question. C'est la dernière, je crois bien. Quel est mon TikToker ou ma TikTokeuse préférée? Charli D'Amelio. Ouais. Heureusement, par contre, parce que là, si tu commençais à mentir, non. C'est bien Charli D'Amelio, oui. Du coup, ça fait 5-3. Donc, je gagne encore. Donc, c'est qui le connaît le mieux? C'est bien moi. Mais wesh, c'est bon, là. Ah! Bon, j'en peux plus. Allez, à toi. J'ai étouffé, j'aurais préféré une claque. Waouh. Quel est le TikToker que je déteste le plus? Alors là, ça va sortir du thé. Bah, Maseva. N'importe quoi. T'as vraiment dit Maseva? Bah allez, ça compte. Allez, il te reste plus qu'une chance. Non, je rigole. Je pense que c'est personne. Genre que tu détestes personne, en vrai. Ouais, c'est personne. Bravo, okay. C'est ça. C'était une question piège, mais c'était une question bonus qui ne compte pas, ok? Ok, donc, 5-3. Quelle est ma première série que j'ai regardée? Ma toute première que j'ai regardée. Mais tu me l'as jamais dit, tu vois. Oui, bah si.
Bah non, si. Tu me l'as jamais dit. Je te l'ai dit. La première série que tu as regardée, c'est The Vampire Diaries. Waouh, bravo, enfin. C'est ça en plus. Oui, bah oui, c'est ça, tu veux que je regarde quoi. Enfin, première série regardée en entier, hein, ouais, parce que regarder des petits trucs, ça rompt pas. Ok, bah j'ai le droit à mon petit bisou. Ouais, même s'il le mérite pas vraiment. 5-4. Donc, c'est moi qui a gagné au final. Donc, c'est moi qui connais le mieux Fabien. 5-4, c'est vraiment, c'est tout serré, genre. Bah non, en fait. Bon, bah du coup, il a gagné. On va dire qu'il me connaît le plus, même si c'est pas trop ça. Du coup, dites-moi dans les commentaires si vous voulez une partie 2, parce que voilà. On sait jamais, mais bon. Ah, on sait jamais. Du coup, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu. À vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. On est bientôt 130 000, genre c'est énorme. Et voilà, n'hésitez pas aussi à activer la petite cloche de notification pour être au courant de toutes mes vidéos avant tout le monde. T-O-U-T-E. Et sachez aussi que je réponds à tous les commentaires. Donc mettez un petit commentaire là et vous verrez que je vous répondrai. Et aussi à nous suivre sur nos autres réseaux sociaux qui s'affichent juste ici. Donc Instagram, Snapchat, TikTok et Twitter pour Monsieur Matt. Twitter, même s'il va jamais. On vous fait plein de gros bisous. Et en tout cas, vous et moi, on se retrouve dimanche prochain à midi. Bisous. Bisous les Big Mac. Ah.